Bonjour, dans cette vidéo, je vais aborder la notion de fonction affine et fonction linéaire. Alors, par définition, une fonction affine est une fonction réelle d'une variable réelle, donc de l'ensemble R vers l'ensemble R, telle que x a pour image y égale à x plus b. Alors, on reconnaît bien sûr dans y égale à x plus b ce qu'on a vu comme étant l'équation cartésienne explicite d'une droite. Donc, premier élément qu'on peut donner sur la fonction affine, la représentation graphique d'une fonction affine sera une droite. On peut donner un premier élément caractéristique de cette droite, c'est la valeur de a qui représente la pente, comme on l'avait vu en écrivant l'équation de la droite sous la forme y égale mx plus h avec m qui était la pente en géométrie vectorielle, donc qui prend le rôle de a ici, et h qui est b, qui est ce qu'on avait appelé l'ordonnée à l'origine. Considérons quelques cas particuliers de la fonction affine. Le premier cas particulier qu'on peut considérer, c'est lorsque a égale 0. Dans ce cas-là, on a une fonction constante, on le prendra dans l'exemple après. La représentation graphique est une droite horizontale. On appelle également fonction de degré 1 une fonction affine, c'est lorsque a est différent de 0. Parce que si a est égal à 0, on a dit que c'était une fonction constante, et donc à ce moment-là, elle est de degré 0. Là, on parle de fonction de degré 1. Le cas le plus important dans ces cas particuliers est celui de ce qu'on appelle une fonction linéaire. Une fonction linéaire, c'est lorsque b est égal à 0. Dans ce cas-là, la représentation graphique passe obligatoirement par l'origine, puisque l'image de 0 est égale à 0. Et enfin, le dernier cas particulier, c'est celui de fonction identité. C'est lorsque à x, on associe directement x. Donc autrement dit, lorsque a égale 1 et b égale 0. Alors c'est un cas particulier de fonction linéaire. Prenons l'exemple 5.1 de la page 47. Nous avons représenté ici dans le même graphique la fonction f dont l'image est moins 2x. Alors, par rapport à ce qu'on a dit auparavant, on a b qui est égal à 0, donc on a bien une fonction qui est une fonction linéaire. La fonction passe par l'origine. Elle est de pente moins 2. On le constate ici. Si j'avance de 1 unité, alors je descends de 2 unités. D'accord ? Pente moins 2 sur 1. Ensuite, la fonction g, qui est cette droite horizontale-ci, qui est ce qu'on appelle une fonction constante. Dans la partie 2, nous avons les trois fonctions f, g, h qui sont des fonctions affines. Il ne s'agit pas de fonctions linéaires puisque la valeur de b est différente de 0. Ce ne sont pas des fonctions constantes non plus puisque les valeurs de a sont différentes de 0. Alors j'ai f qui est en vert, 2x plus 1 qui est cette fonction-ci, donc pente 2. Si j'avance de 1 unité, je monte de 2 unités. Ordonnée à l'origine, 1. Voilà où se matérialise l'ordonnée à l'origine. C'est l'endroit où la fonction coupe l'axe OY. Pareil pour G, 2x moins 3. Donc on a cette fonction-ci, pente 2. Si j'avance de 1, je monte de 2. J'avance de 1, je monte de 2, etc. On peut le faire n'importe où, bien sûr. Alors ce qu'on constate ici, c'est que les deux fonctions F et G ont leurs représentations graphiques qui sont parallèles puisqu'elles ont la même pente. Et nous retrouvons pour g l'ordonnée à l'origine qui est moins 3, puisqu'on a 2x moins 3. Et nous retrouvons d'ailleurs ce point d'intersection avec la fonction h, qui est représentée en rouge ici, moins 2x moins 3. Alors là, l'ordonnée à l'origine est la même, et c'est pour ça que les deux fonctions se coupent en exactement le même point sur l'axe OY. Et par contre, la pente est moins 2, c'est-à-dire que si j'avance de 1 unité, je descends de 2. J'avance de 1 unité, je descends de 2 unités. Et pour le dernier exemple, nous avons les deux fonctions f et g. F en vert, 2x plus 1, donc pente 2, et ordonnée à l'origine 1. La fonction g, x moins 1 sur 2, donc pente 1 demi. 1 demi, ça veut dire que si j'avance de 2 unités, alors je monte de 1. On retrouve bien ici cette pente 1 divisé par 2, pente 1 demi. Avec l'ordonnée à l'origine qui vaut moins 1 demi,
Et on constate que ces deux fonctions sont symétriques par rapport à la droite qui est y égale x, qui est d'ailleurs la représentation graphique de la fonction identité. Considérons quelques propriétés de cette fonction affine. Donc f de r vers r tel que ax on associe y est égal à ax plus b, ou écrit différemment f de x égale ax plus b. Concernant tout d'abord le domaine de définition, on n'a bien sûr aucune contrainte, pas de dénominateur, pas de racine, donc le domaine de définition c'est r. On s'interroge toujours dans les propriétés des fonctions, vous le verrez au travers des différentes fonctions que l'on va voir, à l'intersection de f avec l'axe OX. Donc on est sur cet axe-ci, et donc il s'agit de déterminer les solutions de l'équation f de x égale 0, qui nous donne ici directement x égale moins b sur a, pour autant bien sûr que a soit différent de 0, c'est-à-dire qu'on est bien une fonction affine et pas une fonction constante. Donc on a le point de coordonnées moins b sur a, 0, qui est le point d'intersection de f avec l'axe OX. Concernant l'intersection de f avec l'axe OY, alors là on s'intéresse à l'image de 0, qui est donc b, bien sûr, si on remplace x par 0, et donc on obtient le point d'intersection qui est le point B de coordonnées 0, B. 0 comme abscisse, B comme origine. Et on l'a dit déjà, la représentation graphique d'une telle fonction est une droite de pente A. Si j'avance de 1, je monte ou je descends de A selon le signe de la valeur A. Si A est positif, je monte. Si A est négatif, je descends. Voilà pour les principales propriétés de cette fonction. À la page 48, vous trouvez deux exemples de fonctions, donc deux représentations graphiques de droite, que vous reverrez encore en exercice d'ailleurs. Et nous avons également une fonction affine, mais ce qu'on appelle une fonction affine par morceau ou par intervalle, c'est-à-dire que sur trois intervalles, en l'occurrence, cette fonction est une fonction affine. Voilà, merci pour votre attention. Je vous souhaite une toute belle journée. À bientôt.